Facebook. Do you mean quite well? Est-ce que t'entends très très bien? Hello, Mother Shay. Do you mean quite well? Est-ce que t'entends très très bien? Radio La Thibonite. Tell you today we're gonna talk about understand and speak like a native. Je vous dis à nous parler de comment on capable parler tant que merci Madoche, comment on capable parler même avec mon natif. Et après utiliser de expression ou du moins c'est de réduction qui gagne dans communication moun, par exemple pays côté de parler de inner circle. Ça veut dire pays côté anglais, c'est langue maternelle, you know? Like USA, England, Australia. Donc, ma par exemple de États-Unis, especially United States of America. Vous êtes sur la main. Fabli, émission ça, c'est émission DLS. Moun ki nouveau là, qui pa connaît l'émission. Bam moi dis nous qui sa émission ça est hein. Listen to this. Les langues vivantes depuis la tour de Babel font préjudice à l'humanité vu leur diversité et leur multiplicité. L'homme postmoderne de ces 6500 langues de la planète se fait l'idée d'universaliser quelques-unes, dont l'anglais et l'espagnol, de manière à simplifier la globalisation. Ça, on peut bien le comprendre, et la perle des Antilles doit se mettre au pas. Et pour diriger vos pas, les teachers du Kenyan Daniel se prennent rendez-vous avec vous tous les samedis de 6h à 8h du soir à DLS. Didi's English Learning Radio Show. Quatre principales rubriques vont s'écrire en majuscules à l'ordre de ce merveilleux rendez-vous des langues sur la fréquence de l'heure. Online English. Me gusta español. Connaissance plus. And one song, one star. Avec DLS, vous avez l'anglais et l'espagnol chez vous partout. Reprise dimanche, 8h, 10h du soir. Radio La Thibonite.
Radio 91.1 FM. Let me tell you that this broadcast is always started by a quote. Émission ça a toujours commencé par un quote, par une citation. Et qui sa citation pour aujourd'hui a dit? Eh bien, citation pour aujourd'hui a sorti de Laïla, qui dit. Qui dit the possibility of the dream gives strength. The possibility of the dream gives strength. C'est une citation de Laïla. Eh bien, je vous dis, j'aime déjà annoncé, j'aime déjà dit nous, n'a gagné quelques expressions. Que le plus souvent américain yo, most of the time they use it in movie, you utilise it dans film ou du moins gagne tout quelques réductions. DLS. There are four people who are watching me. Eh bien, et m'a dit que c'est genre d'expression ça que m'braler utiliser, m'braler partager avec aujourd'hui dans émission pour aujourd'hui. Pas oublier de suivre émission ça qui c'est émission DLS qui présenté par moi-même Daniel Aneus chaque samedi depuis le fait 6h privé 8h sur onde radio La Tibonite 91.1. Donc, dans l'émission aujourd'hui, à pas oublier, on va suivre 224e émission. Today is 244th episode. And Saturday, July 24th, 2021. Ouais, 24 pour 24. Donc, on va aller parce que moi, je vais commencer à partager. Donc, si vous la avez, soit pour faire là, c'est juste give me a text. Juste texte moi dans numéro ça comme d'habitude 3651 2364 is the telephone the number that you can give more text now. You can use WhatsApp and then not only text, I mean SMS, not only SMS, you can give me a text, write me a text, or send me a text on WhatsApp on the same number, même numéro qui c'est 3651-2364. Tell me where you at. Tell me where are you listening to me, huh? Dim qui côté n'a coûté 3651-2364. Nous qui habitués avec émission auditeur auditrice, émission DLS, nous comptons ça déjà. Let me start by reduction. When I'm talking about reduction, ma parler de réduction. Very often, native speak they reduce words. Yo réduit mot yo. They shorten them. Yo juste rendu picoute. Donc ou même si que ou pas habitué tête avec ça ou avine pas arrêté unnatural ou absenti l'anglais pas tout si jamais marine en main ou après l'anglou lou lorsqu'on parle. Parce que ou même leur parler langue là qui c'est créole ou tout à fait à l'aise là-dedans. Donc c'est pour ça que nous portons gens de Kousayo pour vous online et ou même capter des émissions et ou même cap suivre nous tous sur Facebook parce que semaine dernière nous étions live sur YouTube. Assurément il y a mon capitaine nous sur YouTube là. M'baguette a fait pièce post pour me dire pour venir là mon YouTube nous plus que Facebook yo.
Yeah, let me start with the first one, which is est-ce que m'ka écrit? Est-ce que m'ka écrit en même temps? Let me see. Let me talk about this. You, as you can see, it's his. His. Ça, li prononcer comme his, you are full stress H. Bien, donc, ou prononcer H là complètement lorsque vous même ou parle anglais. C'est normal pour prononcer. Si vous avez dû prononcer ça, ou abzim his. OK, it's his. His, qui signifie son, ça. Et non, qui signifie oui, son ça, ça, parce que français est tout à fait différent qu'anglais. Mais anglais a lui-même l'utilise un pronom pour personne de sexe masculin, l'utilise un autre pronom pour personne de sexe féminin, il est tout à fait différent que français. Donc, l'on mot ça qui prononce comme ça et il prononce comme his. Donc, l'on parle anglais. When you're speaking English, if you fully pronounce the H, it's going to be unnatural. Libral, pas naturel, libral, embarrasse parfois parce que moun yo pas presque prononce H là. Le yo link, le yo non phrase, le non phrase. But si yo mando commence à prononcer, ou supposé dit le prononcer comme his. It's the correct pronunciation of this word. It's his. Li prononcer comme his. Mais et si que natif la li même la parler, li va jamais dire his. Eh bien, bambano exemple, ma banou exemple, par exemple, si m'a dit et c'est maison pale, c'est kay pale, eh bien moun yo a dit it's his house. Yo pa bzou it's his house pour l'accentuer h. Donc you run li it becomes a silent letter. Là c'est tout à fait diction, c'est style, c'est qui Jean natif yo même parler, c'est réduction Jean m'a dit non là. Donc natif là li gon Jean que le parler ou même en tant que natif ou gon Jean que ou même ou parler. Donc yo réduction yo met yo font pile réduction pour que moun nan ka parler plus rapide pour ka sentir plus à l'aise même Jean que ou fait dans langue pour là, hein? Même Jean que ou fait dans langue pour là. Ou pas dit it's his. Yeah, ou dit c'est son nom ou dit it's his name. Donc ou après bouchou embarrassé trop ou dit trop bagarre ou gouma bagarre la trop, et ça fait faut apprendre technique ça pour même capable river parler même j'avec natif. Là me dit parler même j'avec natif, c'est pas obligation. Donc si ou même vous voulez parler même avec natif, vous êtes plus à l'aise tout parce que ou même ou plus à l'aise lorsque vous parlez langue maternelle ou OK. Donc ou dit his ou pas dit is, all right? Ou dit his, ou pas dit is, pour prononciation. Mais lorsqu'on parle, ou dit is, ok? Ou dit what's her name? What's her name? C'est H-E-R. Ou pas dit what's her name? Si on t'a mis au campé, ou dit hey, can you pronounce this for me? H-E-R. Ou pas qu'a dit prononcer comme er. Sou dit prononcer comme er. Donc il y a pour ou c'est un monde qui pas prononcer bien mot ça, il pas prononcer comme her, il prononcer comme her. Mais lorsque moun yo a parlé, yo pas gen temps pour yo faire tout perdre temps ça, hein, yo dit her, yo fini. Voilà. Donc yo dit what's her name? What's her name? What's her name? Hey, can you tell me what's her name? Est-ce qu'on capable dire non li? Ou pas dire what's her name? Yo va goumer avec ba la comme ça, ou dit what's her name? What's her name? Même Jean m'écrit tous les deux pour nous là. Donc on dit c'est m'écrit tous les deux pour nous, c'est his et puis her. Donc ouais, j'aime prononcer, on dit his, on dit her. His, her. Mais lorsque m'a parlé, m'a bien temps pour me dire tout bail ça pour mal là. His, her. M'a dit is, m'a dit her. Il prononcer tant coup is, her.
You know, man, it's his car. It's his car. It's his car. It's his car. Et puis, il y a un Lincoln qui fait la gon liaison. It's his car. It's his car. Est-ce qu'il est nécessaire pour moi? T'as écrit ça pour nous là, tout. Radio La Tibonite. Yeah, let me give you this example. Example, bamba un exemple ça. For example, it's his car, mbadi. It's his car, mbadi. It's his car. Yeah, it's his car. It's his car. No time to say it's his car, no. Mouni wa yentan pou sa. Let me give you a second one. The second one is OR. Radio La Tibonite. OR prononcé comme R. J'en ai des gens qui disent OR. Il est prononcé comme OR, disons. OR prononcé comme OR, like means I can say this. Laptop or this one, this or this. Il signifie ou bien, ok? Lorsque on dit or, il signifie ou bien. Mais lorsque on parle anglais, on pas gain temps pour dire toute bagaille ça, on prononce like er, ok? For example, par exemple, on doit parler là et pour dire can you take this or that? Or if you say this or that, si vous voulez chercher téléphone, you say this or that, or that. You pas get up pour dire or, tout by ça yo. Or pour nous c'est comme er. For example, the pen or the book. Hey, the pen or the book. 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 You pas get up pour dire or, toute prononciation ça a pile réduction qui fait. The same one is saying over there, qui signifie là-bas. Do you see him over there? Donc, si vous obtenez c'est over there pour vous dire, pour capable arriver, comprendre. Donc, la difficile en pile, pourtant, il y a dit over there. Il n'y a pas jamais de temps pour vous dire over there. Donc, il y a juste dit over there. Over there. All right. Do you see him over there? Do you see him over there? Au lieu de do you see him over there? No. Donc, gen pile réduction qui fait lorsque natif yo même y a parlé. Donc, ou même qui apprend anglais et dans bon livou. Adens Bastien. Hello, brother. Donc, ou même qui apprend anglais dans. Bon montrer, yeah. Bon montrer commenter ça, yo. Yeah, ou même qui a pas appris anglais, bon, dans livou, du moins c'est l'école où, ou a bien tendance pour dire, pour parler même genre slow, et puis genre de conversation ça, yo, genre de façon ça, yo, il y a fort vin parler lan. Et lorsque vous parlez comme ça, si c'est my name is no, hein, si c'est comme ça vous parlez, je vous garantis, là on peut dire my name is or my name is or my name's
My name's Daniel, my name's Jack, or my name is Jack. Ou après, elle a du mal pour t'endé parce que lui-même l'a toujours parlé avec rapidité, surtout sous croisé en natif. 91.1 FM. Let me give you an expression that very often people hear. Castra, hello. I am back. It's a broadcast. C'est une émission. Donc, semaine dernière, moi j'étais live. C'est chaque samedi émission. Moi j'étais live semaine dernière sur YouTube. Et bien, je vous dis, je vais me faire la go avec mon. Avec mon YouTube, yo, m'voyez comme sur Facebook, mais malheureusement, jusqu'à maintenant qu'on est compagnie téléphone, compagnie internet, tu as vraiment pile problème. Merci. Donc, on pas gain temps pour me set up toute bagaille à cause problème internet. Routeur à rouge, on pas faire rien. Bien, et ça vient faire que m'baguette a annoncé mon Facebook yo pour me dire que donc m'a passé sur YouTube pour te ka font passer sur YouTube de préférence. Donc m'a fait comme ça, vi retourner un jour Facebook, un jour YouTube pour que tout le monde capable enjoy ensemble. Ces deux plateformes ça on a plus à l'aise sous yo. It's a broadcast, ça c'est une émission qui fait sur radio la Tibonite, émission ça a relé DLS qui animé chaque samedi par moi-même depuis le fait 6h pour 8h. Nous gagne 2h de temps pour aider moun yo dans question langue. I am sharing the live, vous connaissez ça fait quelque temps m'ba live. Here we go, guys. Ma partage kounye avec nous une expression very often I hear it while watching TV. Le map tande, le map gade film. Donc, ou tande, et mou tande ke moun gap dil tout, bien que moun dil déjà na émission 1. Donc, mou vle repartage avec nous de sorte mou ka fon brush up pou mou de ka refresh mémoire nous de expression ça qui c'est what the heck is going on. Qui sont expression informelle, pas utilisé n'importe qui côté. Qui c'est what the heck is going on? M'baguette, vous m'écrivez pour nous la première trop temps. C'est what the heck is going on? What the heck is going on? C'est une question. When you don't know what's going on, ou par contre ça passé ou par nan kala ou deux timoun yo ap goumen, deux petits yo ap goumen ou cousin yo campé yap jouer ensemble ou pas. What's the heck is going on? Ah, ou par contre ça qui a passé là, ça qui a passé. What's the heck is going on? C'est une façon pour dire what's going on, mais l'autre dit what's the heck is going on, c'est une expression qui est informelle. L'autre utiliser ça, ok? Donc c'est expression ça nous capable d'entendre
et ou capable d'entendre expression ça dans film. Hello, 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 Castra et Fidelus qui dit date m'a veille live, malheureusement m'a conduit, m'a gardé les rivé. Yes, plutôt quitter live là l'arrivé et wa gardé parce que la plat parce qu'on conduit, fais un pile attention. Il y a expression what the heck. Comment ça écrit, c'est what, W-H-A-T? W-H-A-T, ça prononce comme what. The, generally people say the, T-H-E-A, moun yo gen tendance pour dire de, mais le prononce comme the or the, if you see que ou même ou gen voleur a T-H a aller sur channel anglais tout partout ou sur YouTube, ou ap kapab wè en pile, ou ap wè plusieurs vidéos qui edo nan T-H sounds. Here we go. Eh bien, après the, c'est what the heck. Heck qui j'en l'ai placé. C'est, il y est appelé comme H-E-C-K. Il prononce comme heck. What the heck? What the heck? L'autre dit, what the heck is going on? Il y a un qui dit is, il y a un qui dit is, but moi je dis is, ou qu'on est anglais. Moi je préfère dire is. Radio la Tibonite. Ok, ou dit is, is là c'est is. Il prononce comme is. Et puis going, c'est pas going, I'm going to school, c'est going. C'est il y est appelé comme G-O-I-N-G, G-O-I-N-G, ça prononce comme going. C'est pas going, c'est pas going si mato, c'est going. Et puis on, O-N n'a prononcé comme on, gan pile moun qui gen tendance pou di on. Mais c'est an mes amis, an, o n prononcé comme an dans le mot ça là, hein. Li kounya ou appelé le comme ça, what the heck, what the, what the, what the. So pas quoi à l'aise, ou ka di mda toujours si ou pas ka bam th là, I know it's difficult. Eh bien, l'expression c'est what the heck is going on. Ma fè nou wè li, hein. Les chers pour l'autre monde qu'on a longtemps que m'ba là pour l'autre monde capable pour yo capable ouais pour capable ouais ça Shirley. Radio Latibonite 91.1 FM. This is it. What the heck is going on? C'est expression ça. Eh bien, ou utiliser parce qu'on pas connait ça qui a passé et puis ou t'as rien mais qu'on est, hein. Ou utiliser question ça qui informel, qui pas formel. OK guys. Let me share a phrasal verb to you. Ma partage un phrasal verb to you parce que là donc ces genre d'expression ça que nous souvent n'a souvent joindre soit dans film soit dans like américain utilisé assez souvent. Donc la caille nous utiliser autour d'une manière informelle. DLS. DLS. Donc l'autre expression c'est lorsque moun nan mange en pile. Vous comprenez l'on moun mange en pile. Donc bon gens yo dit ça en créole là d'une manière informelle. Donc c'est même gens tout blanc utiliser youn tout li gen qui c'est ça. Hein ça li prononcer comme pig out. Qui
composé de deux mots, le mot pig. You know, pig is an animal, pigs sont animal. Let me show you pig. M'a montré non qui ça qui pig là, ça m'a même besoin ça dit non en créole. OK? Pig. This is pig. Et bien c'est ça qui c'est pig là, OK? Donc nous ouais, c'est lui même qui c'est pig là. Sous la Tibonite. Nous déjà deviné qui ça, donc moun qui attend de nous yo, pig là et c'est cochon. Moun qui regarde nous, on a pour image qui ça qui pig là. Même mon captain de nous, mais ça qui pègle là, guys. Pègle là, c'est lui-même qui aurait les cochons. Donc, l'homme était out. L'homme était out après elle. Il font un phrasal verb, une expression qui signifie, bon, un bon créole, et ma blague est pour nous, lorsque un bon créole, ou dit mon nom baflé. nous comptons des expressions ça, nous comptons dit ça, et l'homme, pas un mon dit ça. Et pour le pas fâcher la caïno nous comme ça, donc c'est même genre lors d'un monde pig out, lors d'un monde pig out, et au compte j'ai animal ça à manger, surtout les gangoules pressé, et puis tout tel à manger gain cap tomber saute dans bouche li au moment c'est ça aurait les pig out là. OK, c'est ça que vous aurez les pig out là. Ou, par exemple, you can say hello comment dire hello là, oui. Hello souffrant. Donc when you pig out, you eat so much and you cannot move and be sick about. Ou tellement manger, ou tellement sauter sous manger ah, et puis vont trouver une main grosse ou du moins vous quand manger même les vous pas qu'à manger. You pig out. Stop pigging out. L'op di moun si span manje, mais ou pa ka di ça et n'importe qui gens avec n'importe qui moun parce que c'est une expression qui est informelle, it can be offensive. Ou capable offenser moun nan, ou capable faire moun nan fâché hein. Get on next one for you. Moi y'a l'autre pour nous là. I receive a text message. Hello teacher, I am Violon. Hello Violon, how you doing? Hey Violon, wap suivi mission là. Shout out to you. M'voyons une salutation très spéciale pour vous, Violon. Eh bien, m'bral partageons l'autre expression avec nous, l'autre expression avec nous là, parce que cap utile, cap useful, et nous capables utiliser li, ou bien les moun utiliser, pas seulement nous même cap utiliser. Donc les moun utiliser n'a bien possibilité pour nous capables comprendre qui ça moun dans les mêmes li dit. The next one is pushover. Pushover. Vous connaissez pushover. L'on prononce tout ensemble ou dit pushover. Pushover. To par verbe non, c'est pushover is a noun. When you say someone is a pushover, si on moun dit son pushover, eh bien, li dit catégoriquement ou son sous-sous. On va parler de peuple, non? Hein?
Et ou li dit que ou son moun, un moun qui a fait sousou. Nous comprenons le thème créole là. Because pushover is a person who is controlled easily and managed by somebody else. Donc un pushover c'est un moun qui l'autre moun contrôle l, hein, moun dirige l jan ou vle. Donc et ça fait parfois moun ka di ou même ou son petit sousouyé. Ouais, bah nous exemple pour nous comprendre moi. Donc gen moun ka di c'est son petit sousou. Un petit sousou ça veut dire li kite moun a manipulé, li kite moun a fait ça vle. On sa tout ou gen doit reler gens de moun ça on yes man. Yes. DLS. Ou gen doit reler moun sa yo on yes man ou bien bon, le plus souvent m pa konnen si c'est pour garçon expression yo ou bien si yo ka di yes women too ou bien yes woman. Mais le plus souvent yo di yes man, on yes man. Lodi yon moun son yes men, son moun tout sa ou dil, tout sa moun dil, li di yes. Ok? On yes men. Ok? Yon pushover, se yon moun ki kontrole pa yon lot moun. Yon pushover, se yon moun ki kontrole facilman pa yon lot moun. Ou ka di yon yes men, se yon moun tout sa ou dil, li di li d'accord, li tombe d'accord. OK, bien que yes men différent de les différents de pushover, mais yo ont ti gens semblé, yo gen point et de rencontre de expression ça yo. The next one is squeaky clean. Là, on veut renforcer yon bagay pour jan liye. Et là, on parle de jan yon bagay liye. On va vraiment propre ou dit it's squeaky clean. Par exemple, on veut dire bah là vraiment vraiment propre. Like I can say the studio is squeaky clean. On va dire studio ça allait vraiment propre. Bien moi pour me renforcer, pour montrer à tel point que studio allait même li propre, moi dit it's squeaky clean. OK? Let me di it's clean. It's cleaned. Donc Lord li clean ou juste dit simplement li propre. OK? Mais si vous voulez réellement dit qui gens ça li même li propre. OK? Ou capable dit super clean. Donc you dit ou capable dit it's squeaky, squeaky clean. Pour moun ki a tande yo squeaky c'est li appelé comme S Q U E A K Y et puis clean c'est C L E A N, C L E A N, ça prononcé comme clean. Squeaky clean means super clean, but you can use squeaky clean for someone. Lo utilize squeaky clean for a space, for environment, like the studio là here. M'avait dit là studio là the studio here. Donc ou capable dit squeaky clean, mais when you talking about a person, somebody, l'on parle d'un moon là ou supposé il supposé qu'on l'autre tendance li veut dire on l'autre bagaille qui ça l'on parle de moon li veut dire parce que c'est sûr pas gain un seul sens, even a vocabulary can have many contexts of using, il y a plusieurs contextes d'utilisation. Donc ou dit squeaky clean pour propre pour espace environnement ou bien on va dire rad vêtements aussi, mais when you talking about
somebody or someone, les a ou dit moun sa is someone who is really cool. This is a person who is really cool. Someone qui réellement cool. Donc, oh, you are squeaky clean. He is squeaky clean. Ça veut dire moun sa li vraiment cool. Someone qui babay tèt li problème assez souvent. Li son moun qui très relax. Eh bien, c'est comme ça, expression ça, li utilise, expression qui signifie squeaky clean. Nan. Next one, and l'autre expression que m'gen pour nous, c'est I got text message, moi gen message text, moun gab écrit. I'm doing well, thank you for asking. Thank you for the phrasal verb. Great job for, oh, Viola. All right, Viola. OK, l'autre expression que m'gen pour nous, c'est hot shot. Donc l'audio moun hot shot qui ça ou dit, donc ou dit when you say hot shot to somebody, you say that this person is talented, this person has value, you respect this person, this person is amazing for you. Moun sa li impressionnant, ok? Moun sa gen talent ki enraje, par exemple moun ki gen doit chanter ou du moins si gen doit danser, ki gen doit faire une activité quelconque, donc ou qualifier moun sa de yon hot shot. Lòd yon moun son hot shot, eh bien c'est extremely talented and brings a lot of value. Donc moun sa pourtant pile valeur pour ou même lorsque moun sa intéressant pour ou, lorsque moun sa impressionné, donc ou capable qualifier moun sa de hot shot. OK, oh, hot shot, he is a hot shot. Donc lycée yon moun ki très talentueux, donc là utiliser expression hot shot, là c'est h lié plié comme hot, OK. Donc hot a deux fois et puis nan mitan de hot ou bts, donc hot. Radio La Tibonite.
guys, nous sommes apprenant plusieurs expressions là. Eh bien, ces moments. Donc ces moments, si nous voulons m'a partager avec nous toujours. Mais si nous voulons toutefois et intervenir, poser question, on est capable d'utiliser numéro de téléphone radio ou bien utiliser téléphone moins pour texte message. Ou capable d'utiliser téléphone moins pour texte message. You are listening to DLS. C'est DLS ou attendez chaque samedi depuis le fait 6h pour arriver 8h. You've been learning some English expressions. Pas oublier le titre là, c'était titre émission ça. Understand and speak like the native. Nous rien là dans la réduction. Et puis nous rien des expressions que nous souvent tendez à utiliser. Vous êtes sur la majuscule Radio La Tibonite. So what I want to share, Els, is when you're really passionate about something, lo réellement passionné dans bagay, but you love doing it, like me when I'm talking about English. Donc, you really love it. When you really love something, guys. There is an expression, there's an English expression that you can use to say that. Lo passionné de tel bagay. Like some people are passionate of soccer, maybe playing games, study something like something else. N'importe lot bagay. Okay, gemoun se étudier. You remain étudier, but whatever it is, they want to study. Every day they study. When they finish to study, they go to study that. Gen moun ki kon sa. Donc moun sa bagay ke l pase plus tan, li passionné la dan nan. Donc you can call it creative outlet. Okay? Donc moun nap di, for example, me my creative outlet is teaching. Ki sa creative outlet sa li menm liye? Le moun nan di creative outlet. Ki sa sa signifi? Le moun nan pale de creative outlet. OK, creative outlet là c'est ça mon plus passionné. Mais comment creative outlet ça lui-même li éplé. Li écrit c'est ça que moi-même m'a partager avec nous là et qui Jean li éplé. Un bien li éplé c'est et li éplé comme C R E A T I V E. Now you say creative outlet,
creator of CRA, let me say it back, CREATIVE. Now we say creative. Creative, c'est appelé comme CREATIVE. Là, on dit creative. What about outlet? Outlet is out, you know, out, O-U-T. O-U-T is out. Et puis, let, tout collé ensemble. Donc, L-E-T, let là, c'est L-E-T, c'est O-U-T-L-E-T, ça c'est outlet. You say outlet. Creative outlet. You can ask this question to your friend or to someone you see for the first time, maybe in a conversation. You say, what is your creative outlet? Qui ça qui passionne, qui ça ou fait ou plus rien mais fait? C'est ça je voulais dire. Something that you release creative energy and. OK? C'est un bagage que ou la gay énergie ou buy énergie ou la donne. Plus souvent, ça y est, le creative outlet. Like I can say, my creative outlet is teaching. Creative outlet. Là, on parle de creative outlet. What is your creative outlet? Qui ça qui plus passionné ou qui ça qui plus remé fait? C'est ça qui c'est creative outlet là. Guys, it's your turn. It's your turn. C'est moment pas nous qu'on est là pour nous participer, pour nous continuer texte. Bon, nous capables les Kounia. J'aime ça dire nous tout à l'heure. Nous capables les 37 85 11 11 numéro radio pour nous font y parler. If you'd like to practice, you can practice with me now. Nous capables pratiquer avec nous, capables créer une conversation ensemble en ligne, nous capables ouvrir un petit débat en ligne. Poser question et donc on capable toujours reler moi sur numéro radio qui c'est 37 85 11 11 pour que nous-mêmes nous parler et puis nous converser, nous parler ensemble, nous pratiquer anglais ensemble. OK? Bon, mettez nos pichots toujours pour nous capables aller à Bella Bella. I get a call. Hello, listener. Hello. Yes, sir. Where are you listening to the show? I'm listening to you from Sharden. Chaden, all right. Yes, what I am glad to meet you because I wasn't there in the beginning, but I noticed your course is very important. Okay. Do you have a question now? Do you have something to add, like a question, or you want to open some things? Let me tell you, I am very, very interested in learning English because sometimes I was studying English by myself, and sometimes I accustomed to listen to you, and I noticed your English is very important for the reason why I intend to go to continue in this way too, but I don't know when you will have a new session. Okay, you mean you want to come to my school in St. Mark? I suppose to have a new session next week. Moi, supposé qu'on session semaine qui vient. I don't hear you very well. You don't hear me very well?
No. Yes, now you can continue. Yes. We will have a new session next week. N'a bien une nouvelle session semaine qui va venir. Next week you don't say exactly it what day I can go over there, you can go over there on Monday at 4 o'clock in the morning, but you say okay. You were living Monday? In yeah from Monday 4 o'clock p.m. you can go over there because we will work over there at this time. Okay I noticed your English is very, you have a good pronunciation. Thank you, brother. For the reason why I intend to go over there in order to practice with you, but for the reason I didn't call you, I called you in order to receive some information. That's great. Keep calling, keep practicing, because English is practice. All right, brother. And let me tell you, I encourage you, I congratulate you for your English accent. Thank you so much. All right. Okay, no problem. Next week I will do the best I can in order to go over there in order to meet you. Thank you very much, because you speak English. I love that. You speak okay, English. No problem. Thank you. Good job. Very much also. Hi. Ok, c'est comme ça, auditeurs capables toujours aller pour participer. M'ap dit non pas peur. Même moun qui a gardé nous là sur l'autre plateforme yo sur réseaux sociaux yo. Donc lorsque n'a pas l'anglais et pas care de ça ne pas connait, hein. Don't give a damn. So pas connait yo pas connait demain. Profitez dit ça connait jodi a. C'est ça le plus important pour là. 37 85 11 11 relé pour qu'a pratiquer ou du moins second bagaille ou envie clair. Qu'on des saute parler tout à l'heure là. DLS. Relé dans numéro qui c'est 37 85 11 11 qui c'est numéro radio à ou attendre émission DLS hein. Sur Radio Latibonite 91.1 with me Daniel on this broadcast called DLS. You can find us. We are there every Saturday at 6 o'clock. Last week we were on on YouTube. This platform is we have more people on this platform. But today we are on I have a call. Yeah. Very good. I have a call. Let me take it. Hello. Yes, good up, good day, no? Ah, auditeur, il est pas là, d'abril, ou du moins, il pas attendre bien qu'il fait le raccrocher. Donc, nous pas besoin de peur pour nous relayer depuis, même là, nous pas parler anglais bien. Donc, relayer, m'a donné un conseil, relayer, partager ça avec tête, nous. Parce que l'émission, c'est pour nous que lui-même l'y fait. Nous même cap suivre émission en tout, commentez en bas si vous avez une question, m'a bien pour me passer dans commentaire pour me répondre nous. Si vous avez une question la gueule kounia, m'a répondre nous, mais si après live là, donc ou une question ou capable toujours la gueule, donc m'a répondre nous dans commentaire. Ou même qui a peut-être émission en live, you can call on this on the telephone of the radio. Call on the radio telephone 37 85 11 11. It's an easy number. C'est un numéro très très facile. It's an easy number. 37 85 11 11. Let me tell you guys, parce que vous connaissez dans l'émission, nous toujours partager conseils, tout ça qui a rapport avec anglais. Bon, tout le temps, je parle à nous qui toujours composé numéro A,
qui c'est 37 85 11 11 pour nous parler. Auditeur, auditrice qui connaît l'émission ça qui j'ai le fait et nous habitués avec elle. En nous parler, me saluer tout le monde Lester, me saluer tout le monde Ponsondé, Gonaïve, me saluer tout le monde des dunes, me saluer tout le monde Jean Rabel, quel que soit côté n'a côté, ben me rappelle ça. Hello. Ah, mon ça. On ça elle c'est en carte biblique ou du moins. Ben me garder message ça. Un message qui dit hello teacher, I'm listening to you and to you at Monfort, Saint-Marc. C'est Woodens. Hello Woodens, how are you doing? Thank you for making your time to listen to this great show. Merci Woodens et merci avec tout le monde qui a écouté l'émission. Numéro c'est 37 85 11 11 pour les connaître pour participer dans ce moment là. Yeah, I was talking about something. Yeah, guys, students nowadays, people bank on teachers. People bank on teachers because formerly they used what they call teacher center. When I'm talking about teacher center, where they focus on the teacher has to do everything for the student. This is a good way, but it makes the student become lazy. Le fait étudiant venir lazy. Let me tell you what I'm talking about. Let me say it in Creole so that more people can understand what I mean, because it's an interesting method that I'm sharing to you. Even though in Haiti, there is a Haitian as a method and American as a method, and both are different. You do ya, you differ. Deux méthodes ça. Because me, moins fait expérience dans les dans tous deux, et moins plus adopté American method. Bien que c'est toujours struggle, c'est toujours un travail dur pour habituer mon yo avec méthode ça. What I mean when I'm talking about teacher center and learner center. Learner center, c'est teacher center first. C'est lorsque et prof et étudiant focus sur professeur, c'est professeur qui fait de A jusqu'à Z. Et c'est les mêmes que nous utilisons en Haïti, qui sont méthodes qui pas dit complètement pas bon, mais dans siècle ça, les vins paraît pas bon. Ou pas qu'à nous pas qu'à plus focus. Et me banon garantie le jour où dans système éducatif là, nous focus sur learner center, me banon garantie pour aller grand pire changement pour aller faire dans système éducatif là. What I mean when I say learner center, let me say learner center, c'est côté étudiant, li focus sur propre apprentissage. Li professeur là, li là comme un guide. Côté professeur lui-même, li focus sur étudiant de préférence. Côté li capable aider, li capable partager de quelque bagarre avec dans nécessité. Non, learner center c'est côté étudiant, c'est lui-même ou bien élève là, c'est lui-même qui apprend pour compte lui. Parce que manuel yo tout là, si ti moun yo ka li, si nous montrer ti moun yo li, donc faut que yo capable interpréter professeur atteigne droit là comme un guide. Par exemple, ou prend un livre d'histoire, tout ti moun gen livre d'histoire et pour joindre un professeur qui là durant un an, on m'a dit une année scolaire, disons, ça plus normal, une année scolaire, et puis c'est professeur qui a parlé que gauche a fait le mal. Ou joignons en salle de classe côté et moun yo gen livre, il y a pas prendre grammaire, il y a pas prendre anglais, m'a dit grammaire, non pas apprendre parler anglais bon ici, sauf dans institut, mais dans l'école classique, nous apprendre grammaire anglais. Donc professeur a campé son tableau pour la parler tandis que toute bagaille yo déjà écrit dans yon livre. Donc là, ni vinn fait professeur faire plus travail, et ça fait professeur mathématiques là toujours plus fort chaque année. Élève yo pas fort,
c'est parce que le professeur travaille pour tête li, mais ce n'est pas faute professeur, c'est la méthode ça que vous baillez. Et le problème qui vient dans ça, c'est que même l'on fait tout effort qui possible pour ta partager l'autre méthode avec élève là ou bien étudiant. Donc le fait que déjà nos système éducatif qui rend ni pas avec un programme avec une méthode d'apprentissage, ça vient faire li pas ka corriger, il toujours penser c'est où que le dépend. Donc et enjeu qui gagne dans teacher center a li vient faire étudiant ou bien élève yo moins intéressé avec lui. Et deuxièmement, lui fait au gain moins capacité pour interpréter et chercher comprendre. Yo vinn paresseux, yo dépend de moun, y a toujours et yo vinn pas sûr de tête yo. Parce que tout le temps on moun pa di oui si yo ba on approche, c'est ça, yo pas sûr de tête yo. Troisièmement, yo vinn pas update. Ça veut dire yo pas jamais ka aller et comme on a dit, yo pap a jou étudiant ça ou du moins élève ça yo pap a jou. Qui ça me dit pap a jou? Le fait que yo pa gen habitude pour faire recherche pour compte yo, donc yo pap a joindre un champ, yo pap a non champ d'activité de recherche côté pour yo et en même temps mettez tête yo a jou si yo te gen connaissance ça déjà que il a fait recherche yo update ou bien yo plus à l'aise. Et bien c'est raison ça qui vinn faire et technologie qui vient là nous pas embrasser technologie dans apprentissage et le problème encore c'est même monde qui dans système éducatif là par contre qui gens pour utiliser matériel technologique yo. Et bien ça tout ça c'est problème. Donc si nous t'es habitué étudiant ou bien élève nous yo avec learner center, ça veut dire on méthode côté avant professeur a fait cours, li voyer ti moun nan fait devoir, li fait ti moun nan fait groupe de travail ou li fait travail collaboration ensemble, yo travail en collaboration. Donc ou t'a vinn ou t'a pral chercher solution à chaque problème. Ça veut dire que chaque coup t'a vinn un élément de recherche pour eux-mêmes. Chaque coup yo t'a obligé chercher solution pour chaque bagaille que yo gagne. D'accord? Mais le fait que yo dépend de professeur ya, yo pa fan rien. Donc c'est professeur qui vinn parler et deuxièmement professeur pral gen un livre là, mais professeur pral ba en pile note encore. Yo pral li yo parce que yo pral dépend de parole qu'ap sorti dans bouche professeur pour essayer ka capter kek la dan et puis pour y al composer, mais yo pa pa prendre pour la vie. OK? Donc à mon avis, c'est opinion pam tout, mais il y a des faits que m'saute énumérer là, c'est des faits, c'est des bagages que étudier. Lorsque ou utiliser learner center avec étudiant ou vinn faire vinn independent student ou vinn apprenant ou learner qui indépendant, li quoi c'est lui même capable apprendre. Et ça fait tout problème ça qui gagne même au niveau professionnel. Moun nan pa fè on tita, surtout apprentissage langue, moi même fait plus expérience que me parler de li. Depuis moun nan fait 2 mois, li fait 1 mois et demi, li senti a ba ça qui était ennuyel parce que apprentissage la vignon vignon espace ennuyant. Comme si moins vin apprendre, oui m'ta mais apprendre pas l'anglais vrai, mais depuis moun vin chita dans l'école, moi ba ça ennuyant. Ça veut dire c'est pas anglais seulement, mais tout ça m'bra l'apprendre, li vinn pa être ennuyant. C'est pas parce que étudiant a pas prendre un bail que li pa remen. Oui, ça capable arriver, gen de moun capable prendre un bail que pa remen. Eh bien, li ba au problème, yo senti ennui là-dedans. Mais gen de moun qui motivé ou yo abandonné assez souvent, donc c'est parce que étude la vinn paraît difficile. Ça fait étude la paraît difficile parce que professeur a gagné les labdil et langue apprentissage langue sont bagaille purement personnel. Let me take some examples. M'en prend quelques exemples. Dans l'école classique, m'ba pour qui raison yon élève mal pour comprendre. Bon, m'ta dit il t'a supposé diminuer pourcentage moun qui pas ta comprendre nan ta doit diminuer. Pour qui ça me dit ça? Tout élève l'école classique pour langue, par exemple langue parce que c'est la donne que mieux. Yo tout dépend d'un professeur qui pour venir parler de to be. Si professeur pas parler de to be, yo pas connaître la donne parce que yo prétendent que c'est anglais lié. Deuxièmement, même les gon livre, yo pas chercher comprendre la donne parce que c'est un professeur et c'est comme ça on était habitué yo.
D'accord? Et qui côté élève là après joindre des ressources? On prend internet actuellement. Internet actuellement facile. Donc non seulement l'apprend professeur qui pour venir expliquer, il pas fait pièce recherche. Et là, il a mandé pour le faire recherche, il n'a pas fait recherche. Pour qui ça? C'est parce que l'école a placé le professeur pour l'expliquer si dans toute bagaille, dans la conception. Dans l'imaginer, c'est le professeur là pour ça. Il faut l'expliquer, expliquer. Nous comprenons? Expliquer, non. Mais est-ce que c'est le professeur qui vit de l'école? Est-ce que c'est le professeur qui a formé? Ou bien c'est l'élève, là, ou du moins c'est l'étudiant qui a formé? Donc, si c'est ça qui fait dans l'école, et après les États-Unis par exemple et grand pilote d'école qui bail de modèle yo bail ouvrage avec timoun yo bail ouvrage yo pour yo travail yo fait de livre li lèl tant pour changer genre de ouvrage ça ouvrage qui là pour concentrer pour apprendre nan tête tout seulement sans utiliser des exercices gen exercice gen tout type d'exercice que ou capable mettre li mettre c'était sens social gen tout type d'exercice que ou capable mettre ou apprendre si moun nan répétition au lieu ou apprendre ni pour mémoriser par cœur répétition a permettre que li mémoriser OK la pouel assez souvent ou bien la répéter assez souvent répétition c'est une méthode donc l'on fait c'est par cœur pour l'alkembel là qui ça me voulait parler m'a parlé en termes d'exercice donc l'on moins bon chapitre en dans chapitre là m'y doit bay n'importe 50 50 questions non surveillées. Par exemple, non sondage que me fait, non exercice que me fait, non quiz que me mettez en dans livre là. Chaque chapitre m'a bien 30 questions pour mon en rempli la caille. Donc ça veut dire si professeur a fini faire exposer ou bien mandé étudiant yo, élève yo pour yo font exposer sur tel bagaille et puis li corriger, li bay point de vue par, li bay participation par l'en quoi. Donc on y a étudiant ça après gagne livre là dans l'autre page là pour fait un ensemble d'exercices qui parlait de même question. OK? Donc ça t'apprend le permettre étudiant faire répétition beaucoup plus facile. Mais actuellement avec technologie, li beaucoup plus facile parce que il y a tout type d'application qui ca permettre élève là avancer. M'a par exemple anglais. Moun en anglais, li pa gon dictionnaire sur téléphone ni, il besoin qu'on parle anglais. Mon en anglais li gon téléphone nan men li pa li ka sou li toujours gen internet pour la sou Facebook li toujours gen internet pour la sou WhatsApp mais il pa jam gen internet pour la sou YouTube li gen internet pour la aller sou TikTok mais il pa gen internet pour la aller sou YouTube pour regarder une vidéo. OK, pour qui ça me dit ça? C'est parce que Facebook là li si ou pa chercher c'est toujours même pour YouTube là mais Facebook là li gen plus comment on est capable de divertissement yo plus paraître devant de pour monter ou joindre tel dit tel bah un groupe et pour commencer là ou qu'a fait deux heures dans là sans pas rendre compte et Facebook là vient résumer c'est pas un côté que moun ga prendre tout moun a cherché divertissement là dedans parce que c'est comme ça le vient design surtout dans communauté noire bon dans toute communauté mais surtout dans communauté noire nous mal utiliser réseaux sociaux. On prend par exemple TikTok, moi même moi ouais moi fait des moi fait des expériences avec TikTok, c'est une application me dit moi même pas download pour jamais mon affaire avec elle. Donc me dit pas download. Mais me vient dit que professeur en tant que professeur faut moi gagner pour me partager contenu qui gagne rapport avec baisa. Et même c'est pour moi bail me rester sous lui. Même vinn ouais son bagaille tout qui gaspille tant monde de pour rester sous lui, vir retourner là au genre monde là qui parle en bagaille là. Donc moi m'a regarder l'autre communauté, m'a regarder communauté haïtienne dans sous lui, moi c'est crève que il y a pile petit jeune qui vont pile l'effort qui partager bail technologique qui partager l'autre bagaille sous lui mais on ka dit à 80% TikTok là c'est un bagaille mais de bail et malsain net que moun yo poster sous lui et mais on te ka utiliser TikTok là pour apprendre parce que il y a un professeur anglais moi même depuis monter sur plateforme chercher ça me remet professeur langue et documentaire OK bagaille spiritualité c'est ça on chercher abonné avant. Même ba nous garantie TikTok là en vie fait me quitter parce que malgré m'abonner avec ça yo m'pas ko ka joine chance pour me joindre moi joine ça m'abonner yo moins pour me joindre l'autre bagaille yo que m'pas tellement aimé yo ka vinn joine m'vire retourner me dit quête m'pas ka comprendre ni est-ce que c'est parce que dans environnement ça qui fait yo proposer me bagaille ça comme ça parce que moi abonner avec bagaille ka utile moins et moi yo plus voye bagaille ça ba moi et
YouTube là c'est une plateforme que c'est chercher pour chercher ou joindre moins bien que YouTube a boumé pour aller faire même avec TikTok là et avec YouTube Short. Donc c'est divertissement à créer, divertissement pour capter attention, mais c'est vous-même qui connaît qui sont prêts à le faire pour apprendre. Donc en dans YouTube là ou ca garder vidéo tendez qui permet ou aller plus rapide. Même j'en m'a parlé de tag question dans l'école classique et personne pas comprendre. Personne, tout bien gros téléphone basse, mais personne pas font recherche. Personne pas chercher comprendre parce que c'est rôle professeur, c'est professeur qui a fait comprendre. Et depuis professeur pas faire comprendre, pas comprendre de professeur, ça pas intéressé encore et puis c'est fini. Donc c'est juste pour me dire que méthode d'apprentissage faut nous changer yo. Méthode d'apprentissage changer yo, faire moun yo et penser à propre recherche par yo. Et deuxièmement, faire au travail en collaboration. Moi, me fait expérience, disons, avec et monde que me gagne en ligne à plusieurs reprises. Me fait expérience avec étudiants que me gagne en classe, dans salle de classe, dans DLS Institute. Et lors di moun yo pour travailler ensemble, yo tant pour deux monde qui étrange, yo pas ça pour yo faire parce que nous pas habitué travailler en collaboration. C'est un tel fait petit travail par là, l'autre là fait petit travail par là, c'est ça qui fait métier de faire un paquet. Et c'est moi qu'on elle ou bien qu'on si bay mathématiquement pas que chaque monde qu'on si a fait pareil, c'est ça qui fait le monde pour nous réunir pour nous travailler en collaboration. Nous yon pas qui ça pour nous dire parce que yon pas habitué nous avec ça. Faut nous apprendre étudiant pour être capable aider camper devant classe pour exprimer yo non seulement sur un sujet mais deuxièmement préparer un sujet. Regardez les professeurs à fois dire tel c'est même qui a venir dispenser coup ça sur tel sujet. Tel sujet li parler de tel bagay, mais qui s'allie tout moun a préparé et puis classe a bien question vous comprenez tout moun a bien question sou li fait exposer longtemps moi ou te kon fè ça parce qu'on est toujours kembel en termes d'exposer mais m vle nous bourrer dans tête étudiant ou bien élève là qui c'est lui même qui l'école là c'est pas personne c'est pas professeur avec l'école là professeur son guide c'est lui même qui a développé en faculté la caillou et là nous vinn comme ça c'est nous même n'a autonome. Ou pas type de l'école que nous gagnons là, c'est de l'école que nous dépendons de bagay moun qui passe qui étudie, mais nous pas prendre ça moun gagne comme modèle pour nous développer ça nous-mêmes nous gagnons. Si moun avant yo même, yo te créé un bagay, pour qui ça nous-mêmes nous pas ka créer un bagay tout. Est-ce que là seulement pour m'apprendre bagay moun ça qui t'est passé? Est-ce que c'est eux même qui t'est plus gros expert qui gagne pour ces livres moun ça seulement m'appli? Qui les moi m'a quitté un livre pour mon lit tout moi-même. Donc faut que nous apprenions étudier pour développer capacité que on a parce que l'homme c'est chercher lui là pour lui développer de bagages pour résoudre des problèmes autour de lui pour être capable vivre à cœur content pour être capable porter solution avec l'autre monde. Je pense que l'école c'est à supposer objectif premier là. Donc nous font y parler pas oublier mission hein, c'est en anglais. Espagnol, connaissance plus once and one star, mais quelques jours là, et surtout après et championnat football qui te gagne sur radio a, et depuis avant, nous te fait espagnol là, nous te fait connaissance plus ça ne qui ralenti par rapport avec instabilité que nous gagnons, par rapport avec manque de temps que nous gagnons. Donc on va regarder le temps pour nous préparer quelques bagages, même beaucoup yo. Et ça va en difficulté et gagne les non pas dormi pour nous capable apprendre ça nous pour nous apprendre et qui vraiment difficile leur fait plusieurs activités ensemble. So ladies and gentlemen, it was a big pleasure being there with you. Moi t'es content là avec nous, merci à tout le monde qui t'est participé, qui t'est relé monde qui t'est relé yo merci, monde qui t'est texte yo merci. Son plaisir, émission ça l'a toujours là. Là toujours là chaque samedi, toutefois pas gagne inconvénient m'ap la et si probable m'ap la avec nous soit sur YouTube ou bien sur Facebook, nous capable toujours font passer pour nous qui côté lié. Thank you so much. Love for you, peace, en pile l'amour pour nous, en pile l'amour, la paix, love, en pile l'amour pour nous. Moi aimer nous en pile et pas oublier vidéo pral gagne vidéo. L'autre semaine sur channel là et une petite vidéo m'a fait pour m'expliquer nos quelques changements qui a fait dans channel là
et nous pral gen pile bagay nan men nou, nous pral gen pile bagay nan men nou malgré m pa gen tan, moi fè un pile sacrifice pour me faire quelques petites préparations. Si ba yo pa vin atan, c'est pas parce que moi m pa rien me promettre. Parce que l'aime promettre faut me faire. Merci m'a dit l'émission ça, c'est grâce avec DLS Institute, DLS Institute qui c'est une école professionnelle qui gagne anglais, français, espagnol. Allez pour passer faire inscription, nous gagne la dedans tout école carrelage et make-up, ça n'est le maquillage là, plomberie, électricité, auto-école, j'aime sous dinois, montage vidéo, vidéographie et ou ka passer pour aller, nous gagne tout technique Windows. Passer pour qu'elle fait inscription pour qu'elle apprenne parce que faut qu'on ait un métier dans le monde. Désormais, cherchons un métier dans le monde. DLS offre ou essayez d'un côté que vous avez confiance dans la ville Saint-Marc pour apprendre. Ensuite, nous avons UNADA qui est l'Université World Haïti qui est dans le local Collège Mix Ebenezer, la Syrie qui est dans le numéro 74. Il est dans le local Litou. UNADA dans le local Litou et la Syrie numéro 74. Passer dans espace UNADA et c'est belle bagaille liée pour qu'elle fait choix de faculté pour là. Et passer pour qu'elle joigne plus d'informations sur UNADA, Université World Haïti. Ensuite, on connaît l'école là, par exemple, pile temps après pour l'école après l'ouvrir. Parents ont fait un pile préparation, mais un pile là-dedans autour à réfléchir qui côté me gamin petite moi. Et puis boum, il y a tant d'émissions DLS et puis autant de moi-même, dis yo. C'est dans Collège Mix Ebenezer pour mettre petit tout. DLS. DLS. Parce que c'est là éducation capable d'assurer. Hein? Pain de l'instruction. Hein? C'est là le capable de joindre. C'est Collège Mix Ebenezer qui a offert le mieux. À petit tout. Hein? Donc, passez inscrit dans le collège là, dans le matin, à partir de 9h, vous avez le secrétaire et Collège Mix Ebenezer là. Pour qu'à joindre plus d'informations, tout détail pour qu'à inscrire petit toi. Pas oublier dans kindergarten nan m'a pla ou poème qu'à apprendre petit toi pour dire mami daddy, c'est qui est content hein. Un petit moun za ose la joie. Et puis nous gagne aussi et radio la Tibonite. On dit radio la Tibonite en dernier parce que c'est lui tout à fait hein. Sans radio la Tibonite tout ça m'a parlé au là pour émission DLS c'est radio la Tibonite hein? Donc c'est là c'est radio qui couvre toute la Tibonite là en pile l'autre département encore sous cadran là c'est le plus fort hein? C'est le plus fort plus sonne bien là et ouais j'en m'appelle là hein? Donc c'est sous radio la Tibonite je fais comme ça c'est moins cap gérer toute bagaille là easy et puis bien sound good hein on va dire ça sound good donc sous gain spot publicitaire voyez dans radio la Tibonite parce que c'est là la joindre full moon là et bien guy spot one dans full moon là et bien c'est by radio la Tibonite. C'était moi-même Daniel Aneus pour te servir dans 224e épisode émission ça qui c'est émission DLS et bien passons un bon moment ensemble. N'a pas croisé l'autre samedi pour une plus belle émission. Merci avec tout le monde de Facebook et YouTube. Merci avec tout le monde qui t'a écouté de partout. Merci avec PDG Radio à Jocelyn Ulysse. Merci avec tout le monde net qui t'a prêté nos oreilles et participé dans l'émission. Au revoir.